Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette redécouverte de Tell Me Your Story. Malheureusement, on va refaire uniquement la démo parce que j'ai été assez con pour accepter une clé mais d'une démo gratuite. Voilà, donc on va refaire la démo parce qu'il faut que je le fasse. Mais vous allez voir, le petit jeu est mignon, il est sympa et c'est pas si dramatique. Tu vas Dodoto ? Oui. Enfin, faut encore que j'envoie des mails et tout ce soir. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter assez tôt et demain on se refera des gros trucs. Donc je rappelle, nous jouons une petite fille qui arrive chez sa grand-mère. Et nous allons devoir ranger des trucs. Divers et variés. Vers et variés. Merci Clem, tu gères. C'est un unpacking pas vraiment. Non, ça ressemble plus à un jeu comme A Little to the Left. Waouh! Mais si je l'ai mis? Ah, c'est juste que j'ai pas fini de mettre le truc. D'accord. Non, mais c'est juste moi qui suis un peu con-con. J'avais oublié de valider. Le truc que je mets jamais. C'est pas bien, Freddy! Comment tu triches? Tu essaies de faire croire que tu fais rien de sponsor alors qu'en fait si. Donc voilà, le jeu est principalement mignon et ça s'arrête un peu à ça. Mais j'aime beaucoup moi ce genre de jeu, je trouve ça détente en fait. Après, ça dépend. Il y a des fois, il y a des gens qui abusent un peu du prix, malheureusement. Pourquoi il y a re le message épinglé et pourquoi il y serait pas? Moi, je le vois pas, en tout cas, Clem. Alors qu'en fait, je suis corrompu, mais t'es corrompu de ouf. Il est à combien, celui-ci? Alors, celui-ci, je te dis ça tout de suite. Ah mais il est pas sorti encore. Sérieux? Si, il est sorti pourtant. J'étais persuadé qu'il était déjà sorti. Ah bah non, il est pas sorti encore. Ah voilà, on sait pas. Je pense qu'il va être à une quinzaine d'euros. Parce que malheureusement, même si en termes de gameplay, ils sont pas forcément incroyables à chaque fois, souvent ça coûte quand même une quinzaine d'euros pour tout le travail qu'il y a eu de dessin et compagnie. Enfin bon, à côté de ça, tu vois des jeux comme Promenade qu'on a fait tout à l'heure qui demandent, j'imagine, encore plus de taf et qui coûtent que 19. Mais là, je fais la démo, Frétir. Donc, ton argument, il est nul à yesh. Et ouais. La démo que j'ai déjà faite, en plus, Frétir. Et s'bim!
me fait rire, Clem. Ouais, on a nourri le petit chien. Ouais, bah c'est ça que j'ai pas trop compris, pourquoi j'avais eu une démo, mais oui. J'ai eu une démo. Brave petit toutou. Il est chou le jeu. Franchement, ouais. Le jeu est très, 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 très mignon. Les dessins sont vraiment jolis. Après, il me semble que on avait reproché quand même la première fois qu'on avait fait la démo qu'il y a certains trucs qui sont pas très clairs sur ce qu'on attend de toi. Mon chien à moi, bah écoute, il dort au milieu du salon, donc ça a l'air d'aller. Mais oui, si vous voulez regarder les autres jeux que j'ai obtenus sur leur kit et que je ferai prochainement, c'est... Alors attendez une minute, je vous dis ça. Snufkin, qui a l'air assez cool et que j'attendais, j'avais déjà demandé une clé, on m'avait dit non et là finalement je l'ai eu. Et la semaine prochaine, il y a Go Fight Fantastic et Distant Bloom. Distant Bloom, qui est une histoire d'un alien qui arrive sur une planète inconnue et qui va devoir aider les gens de son vaisseau à s'installer. Et Go Fight Fantastic, qui est un espèce de jeu de baston qui peut se jouer en multi jusqu'à 4. Mais comme je suis le seul à voir le jeu, on verra ce que ça donne tout seul. Mais ça, c'est 26 et 27, j'ai pas le droit d'y jouer avant. Hop là! Elle avait quand même mal rangé sa valise. Mais par contre, les dessins, je les trouve vraiment très jolis. Ah oui, d'ailleurs! Pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'ils ne suivent pas forcément mon Discord, j'ai réussi à me faire rembourser les emotes pas forcément à mon goût. Donc maintenant, je cherche quelqu'un qui sache faire des emotes d'animaux. Le rire, il est affreux. Salut, je m'en vais, à plus tard. Ok. Bleu et bleu. Va m'acheter des macarons, bisous. Oui. Donc là, il va falloir que je fasse la lessive. Hop. Hop là. Ils ont quand même emballé des assiettes sales. C'est un concept particulier. Hop. Pas le temps. C'est ça. J'ai pas le temps. Emballe. Mais on a pas fait la vaisselle. On s'en fout. La flemme était puissante. Ouais, mais bon, au final, t'es obligé de les laver une fois arrivé. Et ça pue d'autant plus. Donc c'est un peu nul comme plan. D'ailleurs, j'ai pas le temps, mon esprit taille. Non, d'ailleurs, moi, j'ai pas fait ma vaisselle depuis... Enfin, j'ai pas fait ma vaisselle, quoi.
Donc finalement, on est assez raccord. Moi non plus depuis 4 semaines. Ah, pas mal. Joli score. Je commence à en avoir marre de manger à même la table. Vivement que j'arrive, t'auras une fille à la maison. Oh mon dieu. Non, jamais Clem. Non. Si un jour je pense comme ça, latte-moi Liburne. Remets-moi à ma place directe. Si tu lattes les couilles, tu fais bah voilà, t'en as une de fille à la maison. Avec plaisir. Ah, tu parles à Clem. Ah, mais n'importe qui. Si vous me voyez pas commencer à penser comme ça, tuez-moi, quoi, par pitié. T'inquiète, je le ferai avec plaisir. Eh oui, j'ai été jeune une fois et j'avais un copain singe. Et j'avais une carte qui parle également. On peut déjà le faire par précaution. Bah ça dépend. Si je te casse les dents pour que tu t'entraînes à voir ce que ça fait d'avoir un dentier en échange, ça te va ou pas, Fréty? Mais sinon, oui, on peut s'arranger. Pas de problème. De toute façon, tu ne les utilises plus. Oh. Les pyramides mayas. Le chocolat. Ça, le soleil. Le backpack. Et le serpent. Ah. Donc, il n'y a pas de chocolat. Alors, attendez. On a ça qui est bon. On a ça qui est bon. On a le sac qui est au mauvais endroit. On a le soleil qui est au mauvais endroit. Et ensuite, les deux autres qui étaient pas bons. Donc, il y a peut-être une encre et... Donc finalement, t'as fait ça et ça. Incroyable! Clem, c'est juste que je m'étais arrêté après le premier chapitre. Parce que j'avais dit, ah, j'ai pas envie d'aller plus loin. Mais techniquement, il reste un petit chapitre et après, c'est fini. Non, mais t'inquiète pas, Clem, tu peux pas te rappeler de tout. Oh, t'as changé de couleur de pseudo, Athéna! J'ai planté. Comment ça? Non, de mon côté, j'ai pas de bug. C'est juste toi, en fait, Fréty. Moi, je dis, il fait semblant pour pas assumer qu'il est pas content d'être là. J'ai même pas remarqué Athéna avec sa nouvelle couleur. Waouh.
Tada! Pour moi, rose égale Clem. Après, c'est deux roses différentes. Oula, j'ai de la latence, je reviens. Heureux! Oh non, il pleut. Je peux pas arrêter les gouttes en leur disant non. Ah. Putain, comment elle a séché instant. Mais j'ai littéralement rien fait. Le jeu, il fait bravo! Tu as été incroyable! Voilà, donc typiquement, voilà le problème du jeu, c'est que des fois, pas très clair. Quoi. Ça doit être Twitch qui déconne, j'ai deux streamers qui ont planté et relancé. Ah oui! Bah, dans tous les cas, on a bientôt fini. Hein. Ah, ok! Ronflex. Oh, merci Clem. Go voir des serpents. Ah. Ah, ok, il faut trouver les animaux. Mais si, là, il y a le serpent. Là, il y a le piaf. Là, il y a les petits patounes de capybara. Et là, le léopard. Incroyable! En fait, je suis un génie. Oui, tu l'es. Et Freddy qui a juste mis un sourire, genre... Ouais. Ouais, un génie, ouais. Ok. Waouh. Merci, Athéna. Franchement, je veux pas aspirer à la violence, mais si vous voulez attaquer Freddy, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, c'est soirée frétilienne. Oh, Memento, t'es passé 46ème, t'es bien monté, mine de rien. Un télo, lol. Ok. Je comprends pas pourquoi ça me valide des trucs. Ok. Mais grave validé, ouais. Pourquoi Freddy m'attaque? Parce que c'est un con. C'est quelqu'un de super violent, Freddy, hein, faut pas croire.
Oh, je suis passé en hyper 2, Clem. Tu vois, tu m'as rattrapé. Putain, je savais même pas que t'étais en hyper 2 déjà. Alors. Mais si, vas-y. Mais vas-y, wesh. Attendez, ça va pas se lancer. C'est bon. Non, mais voilà. En gros, ce genre de jeu, moi, j'aime bien. Mais... voilà, tout va dépendre du prix, quoi. Mais en tout cas, c'est mignon. Ah, c'est tout? D'accord. Après, c'est vrai que le problème, c'est que c'est un peu limité en termes de gameplay, quoi. C'est peut-être un peu trop simpliste. Ça pour moi, 5 euros, pas plus. Bah enfin, Naraka, t'en as pas assez eu ce soir ? Coquinou, va. Alors, vous allez vous calmer direct. Athéna, tu vas te calmer. Hein. Non, mais oh. Pas la même cette fois. Ah, bravo. Comment tu t'es fait mordre, Athéna? D'habitude, je t'aurais défendu, mais là, j'ai envie de dire cher. Même envie de dire bien fait pour ta gueule. Parce que tu m'as attaqué. D'accord, je peux pas bouger cela. En plus, on me remercie. Bah, tu me défends, tu défends mon honneur, donc merci, Memento. Ah, est-ce qu'on n'approcherait pas de la fin? Ok.
D'accord. Rien compris. Chef Reti. Je veux dire. Oh mince. Ah, j'ai rien compris. Oui. Je peux pas lui bloquer la bouche. Non. Pas lui bloquer la bouche. Oh, et flûte. Hein. Oui, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, Klaus. Ok. C'était mignon, la petite animation. Bah, bravo, tu as trouvé un bol. Mais quel coup de bol! Je peux maintenant faire du chocolat chaud grâce à une serviette. Mais c'est incroyable. Et du coup, bah c'est Clem qui se prend un Théo gratos. Bah désolé Clem. C'est de la faute de Memento. T'as raté, Freddy. J'avoue que t'es un peu nul, quand même. Ah. Nous avons le capybara. Hop. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Et voici ce qui marque la fin de la démo. Bah écoute, selon le prix de la sortie et si j'ai de l'argent à ce moment-là, on verra. Mais en tout cas, c'est mignon. Je trouve ça mignon. Bah écoutez, pour ce qui est de la VOD, on s'arrête là. Des bisous et à la prochaine.